On va y aller à fond, mes petits canards, on est parti. Comme toutes les prods, il y a des aléas et on a des surprises, mais j'adore les surprises. Et du coup, je fais en sorte de leur faire honneur. Voilà, qu'est-ce qui vous a amené ? Bah, le bus. Alors, en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est-à-dire qu'on réfléchit un sketch, on le bosse sur 2-3 séances, et puis tout de suite on l'écrit, on propose quelque chose. Charlotte. Ouais. Qu'est-ce qui vous amène ? Le bus, ouais. T'es vraiment exaspéré quoi. Et à partir de ce moment-là, c'est fini, on a perdu. Le bus ? Non. Bon bah voilà. Et on voit tout de suite si ça marche en fait. En le jouant devant les gens, on s'en rend compte. Des scènes torrides. Je crois que je vais vernir. Si ça fonctionne pas, on va le sentir et il faut abandonner le bateau quoi. Moi seul prison, c'est l'horizon, un pétou jeune. L'idée c'est de faire un peu comme RFL, sans faire le même type d'humour avec des phases cherchées, là du truc Joule très simple, très chantant, comptine. Ça, c'est une idée originale de Rachid, qui est un peu notre boîte à idées vivante. Donc il fait le signe de I-T-I-T-I, donc il y a deux I et un T, moi je les vois. Il est arrivé du jour au lendemain avec le texte, une ébauche de musique, il nous a proposé ça, et en fait on a tout de suite trouvé ça trop cool. Et là c'est la fin. Et là ils repartent. En vrai, on n'arrête pas de plaisanter en disant que c'est la saison arty parce qu'on essaye un peu des trucs. L'épisode en stop-mo, ça, c'est un vrai bonheur. Quoi. Et donc, Héloïse, qui s'est occupée de l'épisode en stop-motion, de toute l'animation en stop-motion, a fait un super travail avec de la pâte à modeler pour nous rendre un pingou aussi avec nature. Quoi. Mais comment tu as fait pour amener toute cette glace ? Nout, nout. Mais il n'y a pas de poisson ici, mon petit. Hein ? Nout, nout. J'ai envie d'écrire ces gouttes. Vous avez bientôt fini là ? Oh, attendez, ça va venir ! Bouche ! Oh, Madalton ! Bouche ! La saison arty, bon. Quand il est en train de se pogner, il dit Ah, non, ça retombe. Tu vois, il met quelque chose en gros et tu sens qu'il galère, tu vois. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ouais. Il doit jouir avant son ombre en fait. Donc quand elle éteint, l'ombre est plus là. Ouais. Ouais. On peut pas savoir qui a joui avant ou après quoi. Ouais, il y était presque, donc vraiment il est dégoûté parce qu'il a. C'est lui qui se branle. Plein de positions différentes. On est vraiment sur une scène tragique de duel d'un homme face à lui-même en fait. Parce que là on est sur un Lucky Luke qui se sent agressé par sa propre ombre. On fait presque du film d'auteur. Madalton. Elle est déjà séparée comme ça, est-ce que je faisais ça en plus ? Oui, tu peux enlever ça, séparer les deux pattes là. Bah ouais, ça a été rapide, c'est cool. Bon allez, salut. Allez, merci. Il faut que le personnage ait l'air un peu con, et qu'en plus il soit facile à faire. Et c'est très important. C'est même le plus important, faut que ce soit pas trop chiant les seuls. Alors comme on sait pas faire les mains comme moi, tu vois, je fais une petite boule comme ça. Pas de pitié, on met un slip sur la tête. Et il me reste à mettre ça quoi dans toute cette histoire. On va plus une bonne journée de travail bien remplie. Si tu veux avoir une belle image à la fin, ben, faut faire le taf chiant avant. Moi j'ai juste pris des photos de Capla et je les ai fait bouger pour donner l'impression que ce sont des vrais Capla qui bougent. On a pris un tourne-disque vinyle. En les faisant tourner, on a pu effectuer un fast 3 quarts profil. Sur Pete Poudou, j'avais fait Balou Balou Chan et maintenant bah, je me tape des bouts de bois. C'est moins intéressant, disons. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Ah, oh, puis t'as mis des pompons pour faire les pierres. Moi, je parle comme ça. Mais est-ce que au niveau des intentions, ça va, c'était à peu près. Oui, j'ai compris les intentions. C'est le rythme de la chanson qui me fait flipper, mais ouais. on va faire. Je suis Janos, y'a trop de people, un coup de. Ouais, je suis à la bourre. Ah, tout s'écroule! Ok, c'est le moment où j'enlève mon pull. Des fois la vie, c'est pas easy! Je vais mettre là, tu vas pas snapper à deux moments là, genre le. Allez, tout ensemble! Ou alors. Allez, tout ensemble! Il y a un moment. Ok. Et voilà, elle veut pas qu'il y ait du malaise dans sa chanson, alors du coup elle est là. Allez, solo! Au moment où toi tu. Ok. Cool, cool. Wap du wap! Tu veux que je fasse un wap du wap? Y'a même des fois j'hésite à me swing. Swing jusqu'à minuit! Il y a beaucoup de personnages en fait. En tout, il y a 4 personnages. Plusieurs costumes, des personnages qui vont danser, des personnages qui vont chanter, des personnages qui vont jouer de la musique. Donc je crois que c'est
très honnêtement, je pense que ça va être l'épisode le plus gourmand de la saison. Mais qu'est-ce qui se fucking passe encore ici, là ? Eh bien, aujourd'hui, nous enregistrerons Monsieur Mehdi Sadoun, qui joue l'assistante sociale. Bon, vous avez fini un peu, là ? Donc là, si tu veux, on a une liste exhaustive de répliques de l'assistante. Oui. Ah bah bienvenue à Je suis raciste Park. Je suis raciste Park quoi, tu vois. Vous avez pas compris la vanne. Tu vois, truc un peu... Et alors, tu as quel âge, franculin? Elle aime bien appuyer sur cul, tu vois. Mais il a 32 ans, franculin. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bah en gros, je récupère le... Donc le décor, les animations, et je crée les ambiances, quoi. En gros, je rajoute une petite couche de... d'ambiance là-dessus. Des photos d'une scène de crime. On est vers la fin, on a les montages complets et il faut remplacer petit à petit les éléments par les éléments définitifs. N'est-il point là l'heure du goûter ? Petit gâteau au chocolat. Il va pas très très bien. Tu sens qu'il y a des gros problèmes psychologiques. Oui, celui-ci je l'ai trouvé au Congo, il y en avait plein. Au secours ! Au secours ! Attends, attends, au secours ! C'est le placenta, c'est pas dans la poubelle jaune, voilà. Parce que c'est le placenta pour les autres. Tu sens le côté arty? Vous allez trancher dans le vif, vous, hein ? Mais est-ce que c'est pas l'heure du goûter, là, seulement ? Il est 16h30, c'est l'heure de manger des biscuits, sinon, quand est-ce qu'on mange des biscuits ?